Bon, ben, welcome back. C'est Caillou, tout le monde. Caillou. dans un jeu de street fight. Caillou a pris un peu de poids. Il s'est peut-être mis à consommer un peu d'alcool et des drogues. Mais c'est toujours le même bon vieux Caillou. Bon vieux Caillou. Fait que, comme promis, on avait dit qu'on vous parlerait de Fred Caillou et comment que les pierres à feu avaient influencé la télévision. Moi, je trouve que les Simpsons, c'était pas mal inspiré des pierres à feu, genre. Ouais, ouais. C'est le même principe. C'est le même principe, ouais. Que dans le fond, il se crée sur un peu de sa famille. Il s'en va tout le temps, jouer puis faire des affaires. Mais d'abord, ça veut dire que les pierres à feu, ça a pas mal influencé toutes les séries quasiment. T'sais. American Dad, c'est la même, c'est un copier-coller des Simpsons quasiment. Ouais. Les Griffins, c'est un copier-coller. Ouais. Genre, faut pas rêver. Ouais, mais ça a basé la sitcom familiale. Voyons, l'émission qui sont dans un pit, là. Dans le canyon. Ah, c'est mauvais. Télétoon, si vous nous écoutez, je pense pas, là, mais c'est mauvais dans le canyon. Arrêtez. Mathieu Cyr, s'il te plaît, fais quelque chose. Matt Cyr, come on! T'as pas un mot à dire dans ça, toi? Je pense qu'il y a pas son mot à dire partout. Caillou, c'est moi! Slack la cravate, Paulus! Slack la cravate, Matt! Je m'appelle Caillou! Caillou, c'est moi! Ah, il est rendu bof, mon gars! Hey, on me reconnaît, c'est moi! ça existe-tu encore, Caillou Roche? Caillou Roche, non, je pense qu'il fait plus d'épisodes. Ça existe-tu encore, les Teletubbies? Non, man, ça fait longtemps que ça a été tagged down, tu sais tout. Les vidéos ont été retirées. Ouais, je sais, mais genre, tu sais. Il va pas avoir une revenge comeback. Ouais, c'est ça. Tout, c'est inspiré des pierres à feu, là. Les pierres à feu, les Jetsons aussi. Ouais. Ben, c'était pas mal dans la même époque, c'était du même créateur. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est le même créateur, mais ça doit être pas mal le même dessinateur. C'est la maison maison production. Anna Barbara. J'ai fait Scooby-Doo aussi. Ouais. Hey! Moi, je me fais wreck, ouais, mon gars, ça a pas de sens. Faites quoi, man? Vous rappelez-vous de fucking Archimistère et compagnie? Ben oui, man. Mais j'ai pas tant de souvenirs d'Archimistère et compagnie. Moi, la petite intro Archimistère et compagnie. Archimistère! Ouais. C'est vrai que c'est assez mémorable. Genre, pis il me semble que c'est dans cette émission-là la première fois que j'ai appris l'expression mystère et boule de gomme. J'étais là, what? Ça devait être la fille de Véronique. Véronica, ouais. Ah, hey, pis. J'y connais pas en tout. Mais spoilers, là, Archie est mort, là, dans les comics. Ouais. Là, ben, il recommence la série, il reboot la série de comics au complet, là, il recommence à zéro. À zéro? Ouais, comme ils font avec les comics de Marvel pis tout aujourd'hui, genre, ils recommencent les séries à zéro. Shit, genre. Man. Il s'est rien passé pis. Ouais, c'est ça, il recommence comme l'univers au complet. Okay. Comme avec Tomb Raider. Ouais. Tomb Raider, quel exemple. Ou les Final Fantasy aussi. Ouais, ça se souvient de Tomb Raider. Ben voyons, man, il y a plein de monde. Tomb Rider. Ouais. Hey, ça c'est jamais un des jeux les plus critiqués à cause que... Ouais, c'est de la merde. Voyons, la fille a des gros... T'as jamais joué, je suis sûr. Oui, j'ai déjà joué, puis c'est un enfant linéaire. C'est linéaire, mon gars. Y a-tu des jeux pas linéaires? Les trois quarts des jeux qu'on joue sont linéaires. Ah, c'est ça, Mario Bros pis tout, c'est linéaire. Ouais, c'est pas linéaire. Ben, y a plein de secrets. C'est Tomb Raider, c'est confiné à un petit espace de merde. C'est pas à monde ouvert. Ouais, pis c'est roleplay, man. T'es dans des catacombes détruites. Ouais, mais quand je joue à ça, je me sens pas comme une fille des grosses boules quand je joue à ça, yo. Je sais pas si c'était ça le feel qu'il me donnait, mais je l'ai pas. C'était pas ça le film partout. Non. C'était de l'aventure pis tout. Ouais. Ah, je pensais que c'était vraiment juste pour les boobs. Mais t'as-tu déjà. Eh ben. T'as-tu déjà joué à ceux-là sur 360 genre? Non, mais je niaise, là. J'ai jamais joué au Tomb Raider. J'ai regardé quelqu'un jouer pis je trouvais ça pas terrible. Fait que j'ai pas pris le temps de prendre la manette, masser et apprécier l'expérience des grosses boobs. Des grosses boobs en triangle. Ouais, ils ont pas. Cette valeur que ce jeu-là a eu, cette remarque-là. Les femmes. Oh!
C'est Angelina Jolie qui fait la... Mmh. Ouais, ouais. Ils s'attendent à quoi, ici? Ben, je sais pas si tu te rappelles de l'émission Derek qui passait à Brack TV. Mmh. Ouais. Ben, il y avait un épisode où c'est que, genre... Il jouait à Babe Rider, pis c'était un style rip-off de Tomb Raider, pis justement, wow. La fille, elle bad-trippait parce que la personnage principale, elle bad-trippait parce que... Ça s'appelait-tu vraiment Babe Rider? Ouais, Babe Rider, la musique. Calisse, mon gars. Elle met danger, caillou, là. C'est Caillou même qui bat! Caillou la merde, non! Tu vas te rendre dans ta chambre, Caillou! Caillou! Caillou, il est vraiment pas fait pour le Street Fighter. Hey, sérieux, sérieux, le gros colis, il te débarque. Ouais, mais. Genre, tu sais, il se relève en tabarnak! Hey, man, je me fais décrire ça. Mais, revenez aux pierres à feu, là. Ouais, ouais. Quelqu'un en pense des fois à prise 2 des affaires de même? J'essaie d'en écouter, pis je suis comme là, t'sais, j'essaie d'aimer ça comme nos parents, t'sais, ils ont quand même apprécié ouais. Ça, mais asti que c'est mauvais les pierres à feu. C'est vrai que c'est un... C'est vraiment pas bon, sérieux. C'est un autre genre... Je sais pas si la qualité de l'audio qui fait que c'est de la merde. Ouais, les doublages... Les doublages en québécois, ouais, peut-être qu'en anglais c'est meilleur, mais les doublages québécois, sérieux, genre. Mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Les pierres à feu, mais tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'sais, c'est comme. J'ai l'impression que quand on était jeune, peut-être qu'on avait des images qui défilaient devant notre. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, on était là. Puis tu sais, c'était bien cool, c'est on vrai. Était bien absorbé par ça. Pis... Non, mais tu sais, en même temps, écoute les vieux films Disney, genre, il n'y avait pas le même budget d'animation. Non, c'est sûr. Fait que ce qui est drôle, justement, c'est les images, le fait que. Tu sais, c'est pas tant les puns qui lâchent, c'est genre, justement. Ils sont dans un auto pis ils conduisent avec ses pieds. Il y a un dinosaure de compagnie. C'est ça les jokes. Ouais, ouais. T'sais, c'est pas vraiment. T'sais, c'est pas dans les Simpsons. C'est pas comme dans les Griffins dans les Simpsons que c'est des affaires random qui arrivent, genre. Non, c'est sûr. Mais non, ben non! Ah, oh, il beurre! T'es si près du but! Yes! Quelle remontée, mon gars! Eh, hey, je l'ai même pas tué! Go, man! T'as glissé dessus, mon gars! Ah ouais, caillou! Bien protégé, mon caillou! Alright! Alright! Man, j'en reviens pas que je l'ai pas tué! Quelle remontée, pareil! Sérieux, moi, je suis juste fait de tour pour t'en remonter! Sérieux, c'était extraordinaire! Hey, mon gars! Eh! Hey! Il te reste tellement pas de vie, là! Fiber! Oh! Dans les notes, ça, c'est pas légal. Ça. Oh. Non, mais t'es pas encore mort, man. Fesselé, mon gars. Pouais, oh man. Non. Ah ouais, caillou. Nice. Dernier combo, pis tu l'as, Uber. Le balai, tu tombes à terre. Ouais, Scooby-Doo, là, by the way. Ils sont fucking stone. Allez, attendez un peu, les gars. Dans Scooby-Doo, ils sont fucking stone. Genre. Genre, il y a tout le temps un smog perpétuel. Dans Scooby-Doo, là. Oh yeah! Nice, mon gars! Dans... Yeah! On pourrait-tu parler de Scooby-Doo le prochain coup, c'est PGMP? Ouais, on parle de Scooby-Doo le prochain coup, c'est PGMP. Revenez-nous, tout le monde. Yes!